à tous. Bienvenue si vous nous rejoignez sur cette édition spéciale. Le samedi 25 septembre a eu lieu la course sur sable d'un kilomètre sponsorisée par Red Bull. Emma Ibrahim et Abdelaziz Fahmi, élèves en première, ont représenté le lycée français du Caire dans cet événement. Je vous laisse donc en compagnie de Monsieur Kiraron et Khalil. Bonjour, c'est Khalil Hemina, 4ème 4. Aujourd'hui, je suis avec Monsieur Kiraron, prof de PS. Bonjour. Bonjour Khalil. Samedi 25 septembre, on était dans une course organisée par Red Bull qui s'appelle le Quicksand Race, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est une course dans le sable de 1 km organisée par Trifactory, mais qui est sous le logo Red Bull. Il y a eu plusieurs courses de qualification pour accéder aux semi-finales et aux finales. Emma Ibrahim du lycée français en première s'est distinguée en accédant aux finales et Abdelaziz Fahmi en première également était proche de la qualification vers la demi-finale. Un seul coureur était devant lui. Globalement, Khalil, on est satisfait de cette course malgré le peu de participation des élèves. Oui, malheureusement, c'était que 2 élèves du lycée français. Voilà, tout à fait, mais il y avait beaucoup d'inscrits, donc peut-être pour les courses suivantes, il y aura plus de participants en espérant. Espérons. Donc voilà, c'était l'explication de la course Quicksand Race. On a, avec mon collègue Wissam Vera en 4ème 2, nous avons pu filmer cette course et nous avons pu filmer Emma et Abdelaziz en première. Voilà, regardez. Allez Abdelaziz, allez. Tu peux le faire, allez. On croit tous en toi. Allez Emma. Bonjour Emma, comment Bonjour. Ça va? Bonjour Emma. Très bien, ça va. Bravo pour cette course, comment tu te sens? Épuisée. J'ai rien d'autre à dire, c'était vraiment très très dur. Est-ce que tu as atteint, on va dire, ton objectif que tu avais au début de cette course? Oui, c'est-à-dire finir la course. Oui, j'ai réussi. Bravo. Quelle est la partie la plus difficile? L'avant-dernière dune, on va dire. Abdelaziz, comment s'est passé la course? C'était bien, c'était une nouvelle expérience. Je me suis vraiment battu pour pouvoir finir la course. C'est une nouvelle expérience, vraiment, vraiment brutale. Et il y a encore ma collègue Emma qui va encore passer. Allez Emma! Aide-toi de tes mains! يا أستاذ سالم حضرتك كسبت الكورس بتاع الرجال حضرتك حاسس بيه دلوقتي هو طبعا الحمد لله رب العالمين مبسوط الحمد لله السباق كان صعب جدا
ثلاث تصفيات، تصفيات سيمي فاينل والفاينل. تعرف طبعا الرمله والطالع والنازل، يعني مجهود كبير ولكن الحمد لله. هو في الاول خالص كان ما حضرتك يعني تكسب ولا كان كنت عايز تعمل ايه في الاول خالص؟ انا كنت جاي الاول استمتع بالجري وانت بعديت دول وكده ونظم وتنظيمات كويسه. دي حاجه. والحاجه الثانيه انا كنت حاسس ان انا هكسب يعني. ماشي، شكرا ماما. سالي ما سالي justement tu n'es pas dans le podium mais tu étais finaliste. Comment ça s'est passé cette dernière course? Bah c'était la dernière ligne droite, c'était assez compliqué mais j'ai tout donné et puis j'ai participé, c'est l'essentiel. Et surtout tu as été en finale et tu as un petit peu représenté on va dire le lycée français du Caire.